Alors, nous venons d'acheter cette somptueuse maison hein, pour faire notre petit commerce. Bon, Mathieu, pas comme d'habitude, psychopathe, et ça se referme devant moi. Là, on va jouer avec un petit caméléon de type Jared. Voilà. Et puis, on va se faire un petit commerce à la Vienne, hein. On a une petite idée. On a un petit peu travaillé, et puis, je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc. Donc, premièrement, on a peut-être un client. Déjà. Ah, tu me dis hein, si tu veux que je ferme ou quoi, j'ai un petit raccourci. Donc ouais, Ok. premièrement, ce serait de rendre populaire un petit peu notre bâtiment, ouais. Notre restaurant plutôt. Parce que là, bon, il n'y a personne. Mais on était contraint de laisser ça en fait. Parce que c'était à l'ancien propriétaire, donc c'est un petit peu dégueulasse. Donc on a quand même essayé de faire un petit truc, mais. Et il y a une poutine qui traîne un peu trop devant le magasin. Ah. Mais tu joues RP, hein? Non, tu dois pas savoir son nom, mais. Voilà. Le Oui, maire. dans le Le jeu, ok. maire. Le maire A est mort. C'était marqué ça en bas. Le maire A est mort. Est-ce que le maire s'appelait A ou. Je sais Bonjour, pas. monsieur. Bonjour, bonjour. Je veux savoir si vous demandiez des services de barman, hein, de la vente de tabac, d'alcool. Non, non, pas spécialement. Il n'y a pas beaucoup de place ici. Ah, On. d'accord. Et non. Merci. Excusez-moi. Merci quand même. Au revoir. Au revoir. Oh. Ok. Donc tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un qui nous surveillait. Je vais peut-être aller Ouais. jeter un coup d'œil sur ce qu'ils font. C'est vrai que ça va être de nous faire voler nos clients alors qu'on vient tout juste d'ouvrir. Le vois s'approcher à chaque fois, accroupi et Il partir en courant. était. Il avait quel genre de vêtements? Brigand, Brigand, bandit. ouais, c'était un voleur quoi. Ok. Là, c'est cette arme, monsieur. Vendeur, j'ai ma licence d'arme, j'ai le droit. Ah ça c'est le secret d'Harry Potter. Il y en C'est a voilà, un, personne ne mais peut je le pense pas que savoir. ce soit lui. Mais là, je vois pas de. Enfin, je vois pas de concurrence, donc. Je sais pas pourquoi y a personne. Attends, je vais peut-être faire un panneau. Attends, comment s'appelle notre boutique? C'est vrai que je vais pas Le regarder. caméléon. Le caméléon? Ah, mais il faut un truc qui a une consonance un petit peu nutritive, enfin de la nourriture quoi. En plus, t'as pas marqué le titre du magasin. Ouais, c'est pas grave. Mais attends, C'est pas je grave. sais ce qu'on va faire. On va faire un petit peu de pub. Enfin, je vais mettre juste un panneau à droite, restaurant. Je vais le mettre juste ici. Dans le plus grand des calmes. Petite affiche que je pose. Ah merde. J'ai plus de props, ok. Je n'ai plus de props. Il faudrait que j'enlève quelque chose. Ah. Quelqu'un essaie de voler quelque chose. Je sais pas si t'as entendu. Où ça? Sais pas, j'ai entendu des bip bip. Ah. Ah. Attends, j'ai vu un petit bonhomme là. Je pense que lui, il est pas clair, lui. Il saute par-dessus tout. Attends, on va aller le voir. Ah, d'accord. Alors, Ah, déjà, oui, tu monsieur, veux avant parler que vous parliez. autrement? Allez-y, vous inquiétez pas, Déjà, vous tu me avez parles raison. autrement, hein? Oulala. Oulala, ok, c'était quelque chose. Alors, attends, est-ce qu'on a une arme? Oui, c'est vrai, j'ai pris le Glock. Y a pas de mer, donc on va pas pouvoir appliquer notre plan. Notre plan, c'est quand même de faire de l'argent, et puis surtout, essayer de commettre un attentat auprès du maire. Hein, voilà, c'est notre but, dans la vie, dans la ville. Sans mer, ça va être un peu difficile. Voilà, sans mer, ça va être un petit peu difficile. Donc on va attendre que des maires. Hop, je vais accepter. Je vais accepter les demandes de policiers. Puis on va attendre qu'un maire soit élu. Et puis, bon, j'espère qu'il sera novice. On lui préparera un petit cadeau. Hein. Et comme nous sommes des cuisiniers, enfin moi j'ai un look de citoyen, ça devrait pouvoir le faire. Ok. Ok. Bon, du coup,
Nous sommes que seuls dans la ville, hein, je crois. Parce que là, il n'y a personne. Genre vraiment personne qui a. Enfin, qui a une boutique de. Enfin, qui a un restaurant plutôt. Donc attends, je vais quand même faire un petit panneau. Fais le tour de ville et regarde s'il n'y a pas un concurrent. C'est un concurrent, bon, on va lui toucher un mot. Oui. Je pense que je vais cacher une arme dans le restaurant. Vas-y, vas-y. J'en ai deux sur moi, on sait jamais. Ouais, c'est pas faux. Attends, y a quelqu'un qui demande à être maire. Je vais l'accepter, comme ça au moins on aura peut-être quelqu'un. Là on est pas mal. Oui, bonjour, en quoi puis-je vous aider, monsieur? Je crois qu'il y a quelqu'un qui... J'observe. Monsieur, d'accord. Je pourrais savoir ce que vous faites, là? J'ai demandé l'autorisation au maire pour faire une petite pub pour mon restaurant juste à côté. Le maire vient juste d'être élu, vous savez? Ah, ce n'est plus monsieur Dupont qui était maire, avant? Parce que non, je... heureusement, il s'est fait abattre. Par le monsieur, je parle à l'agent, s'il vous plaît. D'accord. Okay. Ouais, quoi? Vous parlez à HRP? Ouais. Oui. C'est quoi le bouton de menu, en fait? Restaurant. Le bouton pour le menu. Voiture. Pour le quoi? Pas le cher. Menu. Oh, oui, ouais, le menu, c'est F4. De l'argent. Comment? F4. F4. Ah, merci. Ok. Ah, c'est bon, ils m'ont laissé, ils m'ont juste demandé oui, est-ce que vous avez le droit de faire ça? J'ai dit oui. Bon. Et après, il se passe quoi? Parce qu'en fait, là, je suis en train de créer le panneau. Juste, ah oui. Juste à côté, en fait. C'est bon, j'ai réussi à cacher l'arme. Ok. Et voilà. Je pense que là, c'est un accès assez majeur, je pense, hein. Tu sors de la mairie, restaurant, nourriture pas chère, hop. Ah mais attends. Je pense que ici ils vont croire que bah faut continuer par là et après aller à droite. Partir au gang serpent. C'est pas grave, ça devrait le faire. Ok. Bon alors vu que le maire vient d'être élu. On peut se faire un petit truc, hein. Donc on décale. Comment, tu parles à moi? Oui. Voilà. Je suis en train de servir un client. D'accord. Ça, il marche quand même bien. En plus là on a des petites tablettes, hop. Merde. Voilà. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je voudrais deux pizzas s'il vous plaît. Deux pizzas, 99 fromage ou chorizo? Je sais pas, ça coûte quoi, 99 fromage vitres, C'est pas mal. 99 fromage, 50 euros et la chorizo est à 45. Ok, 99 fromage alors. Ok. Hop. Parce que là j'ai besoin de profs. Là, oula, excusez-moi. On va virer ça, voilà. Une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième, ok. Très bien. Bon, collègue, cher collègue, je crée le petit chariot pour la livraison. Ok, ça marche. On va faire un petit attentat contre le maire. Mais qui vient tout juste d'être élu. C'est un petit cadeau de bienvenue, on va dire. Hein, c'est un cadeau de bienvenue, et puis s'il nous donne pas de l'argent, bon, on va être obligé de sévir, mais je c'est pense bon, qu'il devrait nous obéir quand même. L'argent. Voilà. Ah oui. L'argent, je vous l'ai donné, monsieur. Ah oui, vous me l'avez passé, oui, okay. Au revoir, monsieur. Très bien. Au revoir. Hop, ok, c'est ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. Un hamburger frites, s'il vous plaît. Un hamburger frites. Hop là. Ça fera 40. Ok, my friend. Du coup. Excusez-moi, il y a un.
En RP, il y a un petit bug avec la fenêtre. Ouais. Merci, monsieur. J'ai déposé l'argent derrière vous, non? Merci à vous. Bonne journée. Mm-hmm. Bonne journée. Je regarde une bonne texture. T'es sûr d'utiliser le même chariot que la dernière fois? Ouais, il était pas mal. Ouais. Avec l'ombre, elle était, il était. Au pire, tu retournes le chariot et tu mets une plaque en dessous. Cacher l'ombre. Oui. Oui, mais ouais. De toute façon, en roleplay, ils sont pas censés voir l'ombre. Hop. Bah limite, regarde. Hop. Limite, on a tout. Attends. Ah oui, tiens, bah oui. C'est bon. T'inquiète pas, normalement ça devrait le faire. J'espère que ça va juste passer. Vas-y, attends, je vais commencer à charger le camion pizza. Tu te charges des clients et puis on va aller faire une petite visite au maire. Ok. Hop. J'en charge que 3 parce que... Ouais, bon, si ça fail... Hop. Vu que je suis cuisinier, on peut bien bourrer le truc, quoi. Ah, c'est vrai. Nickel. Ouais, comme ça. Là, en fait, j'ai pris 2 portes, d'accord? J'ai pris 2 portes. Puis on va tout cacher. Comme ça, s'ils nous demandent, on ouvre la porte des pizzas. Puis ils vont bien voir que c'est bon, quoi. Hop, nickel. Ok, my friend. Attends, couleur. Okay. Hop. Vas-y, y a un problème avec la pizza. Au pire, c'est bon, t'inquiète, y'en a pas mal. Ah merde, ça rentre pas très très bien en fait. Il y a quelques petits problèmes, on va dire. On avait pris ça. Quelques petits. Ça rentre pas tellement. Hein. Bon, on va dire que c'est bon. Hop, c'est parti. Hop, attends. L'arme, tu bonjour, monsieur. Ouais, monsieur, parce que j'ai cru... Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Oh merde. Bonjour. Est-ce que vous vendez des pâtes bolognaises, monsieur? Oui, oui, je vais vous dire le prix tout de suite. D'accord. Ok, attends. Le mec il est revenu. Le mec il est revenu, du coup j'ai fini la construction. Ça fera 30. Ah, vous vendez à 30. D'accord, intéressant. Pour l'instant, je m'informe juste et je décide si je vais vraiment en prendre ou pas. Et est-ce que vous faites avec du piment, monsieur? Du piment, oui. Bien sûr. D'accord. Quel type de piment, bien sûr. Non, je suis très connaisseur là-dessus. Merde. Mais on a toutes sortes, en fait. D'accord, monsieur. Vous savez forcément. Vous pouvez demander de n'importe quel et. Piment d'Espelette. Ah, d'accord. Piment d'Espelette. Du piment d'Espelette avec des pâtes bolognaises. D'accord. Bon. Pourquoi pas, mais. C'est original, d'accord. Non? Je sais pas si le goût est original aussi, mais pourquoi pas, bon. D'accord, je repasserai. Je m'informe auprès de tous les cuisiniers de quel piment ils peuvent mettre à leur pâte bolognaise. Et bien. Je regarderai chez qui je vais manger. Peut-être ça sera chez vous. Essayez votre piment d'Espelette avec vos pâtes. C'est intéressant. Bon, je repasserai, monsieur. Merci à vous. Très bien. Au revoir. Au revoir. Ah, moi je m'y connais pas en piment. Ah, moi non plus, c'est le seul que le je connais. Le mec m'a demandé ça, tous les piments. Du piment d'Espelette avec des pâtes. Bah tu m'as dit de dire un piment, moi je savais pas que c'était avec des pâtes. Ok. C'est bon. On va dire que c'est pas mal. Et puis on va souder tout le bordel. Je pense qu'on est le resto le plus stylé pour l'instant. Enfin... Ok. Attends. Je veux juste voir si c'est bon.
Ok. Merde. Bon. Fail. Vas-y. Vite, remets-le. Ok. Ok, il y avait un mafieux. Ah putain, ça... T'inquiète, c'est des potes. Merde, la mafia. Ah oui, comme je leur ai pas dit. J'ai quitté la mafia en m'échappant. Oups. Ok. Oups. Attends, je sais ce qu'on va faire. En fait, ce qui cloche, c'est le bas. Attends. Je vais cacher le gun. Justement, on met une plaque en dessous. Ouais, voilà, t'inquiète. On va mettre une petite plaque. Alors... une petite plaque, est-ce que ça fera l'affaire? Ça fera l'affaire, on va dire. On va dire que c'est pour que le truc glisse un petit peu mieux. Bon, je pense que ça peut la faire. Ça peut faire l'affaire, je pense. Je pense aussi. Hop. C'est cher. C'est grave cher. Oh l'enculé. Tu l'entends? Ouais, j'ai entendu. Ok, c'est bon. Je vais souder, hop. Et puis un autre. Bah bien, je fais des petits au pire. Vas-y, je vais faire un petit prix. Ok, on est pas mal. On est plutôt pas mal. Holy shit. Holy shit. J'ai eu quelques problèmes, bon. Rien de bien grave. Rien de bien grave. Hop. Je remets juste les pizzas dedans. Et puis là, cette opération commando. Tac. Putain, mais les pizzas, ils sont grandes. Avec un peu de chance, ça va bien se mettre, non? Putain, salopard, hop comme ça, voilà. Ok, j'ai replacé le... Y'a personne? Ok. Hop. Ok, c'est bon. On va ressouder, puis ni vu ni connu, on va réessayer, tac tac. Holy shit! Oh, je crois que... Non, c'est bon. Elle nous a pas vu, putain. Attends, le truc, il se barre dans tous les sens. Attends. Ce qu'on va faire... attends, déjà... On va le sortir. Parce que là... là, c'est l'autre problème. Déjà, c'est bon, la sortie. Au pire, va dans un endroit. Tu fais le chariot. Oh, merde. C'est bon, y'a pas de soucis. Voilà. Ok. Vas-y, je regarde si on peut y passer. Non. Le Père Noël. Holy shit. Holy shit. C'est bon, ça a réussi, c'est sorti, c'est sorti. Ok, bon. Par contre, là, c'est un petit peu plus chaud, mais vu que la mairie est à côté, ça va être pas mal. Ok. Hop. Bah, nickel. Hop. T'as mis le flingue à l'intérieur? Bah, pas encore. Je vais pas le mettre à l'intérieur maintenant, je vais d'abord mettre des pizzas. Ou alors, je mets le flingue avant. Fais comme tu le sens. Je commence à mettre les pizzas quand même. De toute façon, au cas s'il fouille pas, j'ai une arme sur moi. Comme ça, ouais, mais s'il fouille, il nous fait pas monter, c'est pour ça. Ouais, je sais pas. C'est pour ça, en fait, on va pas avoir d'arme sur nous. Comme ça, s'il nous fouille, on aura rien. Et puis, voilà, l'arme sera cachée dans le four à pizza. Enfin, dans notre petit chariot. Ouais, mais l'autre problème, faut que j'en ai une aussi. Non, mais t'inquiète, on le pointe, et c'est bon.
C'est bon, y'a personne? Vas-y, attends, va vérifier, va vérifier, va vérifier. Tu me dis quand c'est bon, hein. Parce qu'il faudrait que personne nous voit. Pour l'instant, y'a personne. Vas-y, vas-y pour l'instant. Vite, vite, go, vite. Go, go. Hop. Ok, c'est bon. Que personne se rapproche de nous, sinon on est. Ouh, y'a un mec juste à côté. Et y'a un mec qui monte dans le parking, je crois qu'il va nous surveiller. Oh, holy shit. D'accord. Attends, déjà je place la petite. Y'a un flic, y'a un flic. Oh, shit. Oh. Et bonjour, oui. C'est bien ici la mairie? Faire, fait, là nous sommes livreurs de pizza. Oui, oui. Oh. Oh. Oh bah je pense que les pizzas sont pas aimées hein. Mais c'est... oui oui je vais ramasser. Merde. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il est coincé. S'il vous plaît.